Salut, salut à tous, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors hier, le staff des Lions Horizontales a publié cette liste. En fait, c'est une liste des footballeurs camerounais évoluant dans le championnat local. L'idée, voilà, c'est de sélectionner parmi ces jeunes joueurs-là, ces jeunes footballeurs-là, le top du top. De certains d'entre eux devront compléter l'effectif de l'équipe nationale parce que voilà, soyons honnêtes, l'équipe nationale n'est pas au top, que ce soit au niveau de la qualité que de la quantité. Donc voilà, l'idée, voilà, ils seront soumis à un stage en cette fin du mois de mai où voilà, à la sortie de ce stage là, les meilleurs devraient être retenus. La liste elle est là. Bon, je vais être honnête avec vous, franchement, voilà, je connais pas grand monde de cette liste là, je connais pas vraiment pas grand monde. Si ce n'est peut-être le gardien, il y a deux des gardiens là que je connais parce qu'ils ont déjà été appelés à l'équipe nationale, je pense même deux fois. Voilà, après, je connais vraiment pas autre joueur. Sinon, je fais totalement confiance au staff des Lions Notables, je fais totalement confiance. Et je suis vraiment content que, voilà, ils puissent jeter le regard sur les jeunes du championnat local, parce que voilà, j'en avais vraiment déjà marre de ces jeux binationaux. Il vient pas, tel va aller le rencontrer, ce son aller le rencontrer, vous l'aimez, non, il y en a vraiment marre qu'ils aillent vraiment en brousse avec toutes ces histoires. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura pas mal de bons joueurs qui seront retenus et qu'ils pourront être vraiment utiles pour l'équipe nationale en vue des prochaines compétitions à venir. Déjà à partir de début juillet, il y aura les matchs amicaux entre pays qui vont participer à la Coupe du Monde. Voilà, et j'espère vraiment que voilà, l'équipe nationale sera prête parce que là, on n'est pas encore prêt, l'effectif n'est pas encore ça. Je croise vraiment les doigts que beaucoup de bons joueurs soient retenus de cette liste-là. Vraiment bravo à l'équipe nationale d'avoir pensé à des joueurs locaux. J'espère que cette philosophie continuera à l'avenir dans la tanière. Voilà, c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien les amis. On se voit après pour une petite vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Bye.